Bonjour à tous. La douceur de la lame équivaut-elle au chaos qui en résulte? Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nouveau build, il s'agit du Glavenus, lame chaos. Je vais vous montrer les gènes que j'ai mis, ce que j'ai cherché à faire, et on va voir ensemble les dégâts que cela procure et la puissance de ce monstre. On commence avec une gène de feu max, bien sûr, qui va augmenter l'attaque feu du Glavenus. Nous avons la gène maître d'armes qui va augmenter le taux de pourcentage critique. Sachez qu'au niveau 2, cette gène fait 16% de crit. On a la gène amortisseur pour l'antifléau, ça va juste nous servir pour le mig aux forces. Nous avons héroïsme qui augmente immensément l'attaque quand les PV sont inférieurs à 50%. La gène arc-en-ciel va être là justement, comme vous pouvez le voir, pour le mig au feu et force, pour relier tout ça. Nous avons l'attaque principale de ce monstre, la lame chaos, qui va infliger de lourds dégâts feu à l'ennemi. La probabilité plutôt haute de coup critique, c'est ça qu'on va rechercher. Sachez que niveau 2, cette technique a 30% de chance de faire un crit. Du coup, on va l'accompagner de maître d'armes plus le haut taux de coup critique en stat du Glavenus de base, ce qui va nous donner des chances de faire des crits assez importantes. Ensuite, nous avons la lame brûlante qui va infliger des dégâts de feu moyens à tous les ennemis. La faible probabilité d'infliger brûlure est quand même assez intéressante. Ça va être la seconde attaque pour toucher tous les mobs. Nous avons la queue incandescente qui va être l'attaque vitesse. On n'aura pas de technique sur ce monstre, car bien sûr, ça ruinerait notre bingo et le fort taux de dégâts que je cherchais à accomplir. Donc du coup, nous avons quand même la vitesse qui va être reliée par la gène arc-en-ciel et maître d'armes. C'est la queue incandescente. Infliger des dégâts de moyen feu à un ennemi, probabilité d'infliger brûlure assez forte, donc ça va être quand même intéressant. Et nous avons bien sûr la gène porte-feu, lueur valeureuse, qui va être niveau 40, l'attaque de la Ratian Sakura à avoir pour tout monstre feu. On augmente modérément l'attaque et la résistance feu pour 5 tours. Donc on va utiliser ça, utiliser la lame KO pour faire de gros dégâts. Je vous montre le bingo bien sûr. On a un bingo feu à 140%, le bingo force à 125% et un petit bingo vitesse à 110%. On cherche bien sûr le gros dégâts sur lame KO et les dégâts de feu ainsi que les faiblesses. Donc maintenant que nous avons vu ça, on va tester le Glavenus. On va donc affronter encore une fois le Kirin pour vous montrer bien sûr le Glavenus. On va prendre des points d'amitié puisqu'il nous les donne. On va s'augmenter avec les lueurs valeureuses. Et on va tenter le coup critique, lame KO. Petit encouragement. Vous voyez, les dégâts sont monstrueux. On va prendre le boost qu'il nous donne gentiment. Et on va ressortir justement une autre lame du chaos à ce moment-là. Le pauvre Kirin. On est à 2500 et quelques alors qu'il n'est que niveau 69. Donc vous voyez, les dégâts sont quand même colossales contre une faiblesse bien sûr feu. N'oubliez pas d'augmenter avec valeur incandescente. Bon, bien sûr, on a le petit encouragement qui nous aide un peu. Je regarde, j'en bénéficie toujours. Donc là, ça va être la vitesse. Malheureusement, je n'ai pas d'attaque. Je n'ai pas d'attaque technique sur le Glavenus. Ça va faire défaut pour ce
C'est bon, il résiste. On va bien sûr pas se laisser mourir comme ça. Et on va utiliser la puissance d'héroïsme pour tenter le crit ultime. Et voilà, c'était le Glavenus. On a gaspillé une potion pour rien, mais on sait jamais. Donc vous voyez, les dégâts sont assez monstrueux. On se retrouve pour de prochaines builds, de prochaines vidéos. Sur ce, bonne chasse à tous.